Oh, il ne va pas faire ça! Reçois sa puissance! Excalibur! La montagne! C'est inutile! Point de la colère! Le gardien japonais a réussi à arrêter le ballon, mais il s'en est fallu de peu! Jack! Oh, Jack! Jack, ça va? Tu n'as rien de cassé? Capitaine! Jack Wallside d'Inazuma Japon est à terre! Ça ne m'étonne pas, c'était un tir surpuissant. Il a dû se faire très mal en recevant le ballon de plein fouet. Est-ce que vous croyez que Jack pourra continuer le match dans son état? Tu es prêt, Kevin? Tu entres sur le terrain. D'accord. C'est pas grave, Jack. Tu as fait de ton mieux. Tu as fait preuve d'un grand courage. Je voulais à tout prix les empêcher de marquer un autre but. Parce que quand notre équipe encaisse des buts, c'est tous nos supporters qui en encaissent par la même occasion. Oh. Gagner le mondial est le rêve de millions de personnes à travers la planète. Tous ces gens ont mis leur espoir dans les équipes qui participent à ce tournoi. Tu as raison. Ne t'en fais pas, on se charge du reste. Quoi? Il veut remplacer Jack, un défenseur? Par Kevin qui joue au poste d'attaquant. Il a opté pour une formation plus offensive. On commence à apercevoir quelques ouvertures dans la formation des Knights of Queen. Si on veut égaliser, c'est l'occasion. Hé, Kevin! Je compte sur toi, d'accord? Bien sûr que oui. Tu vas voir, je vais marquer un but pour toi! Allons-y! Je ne vous laisserai pas faire! Tu es très rapide. Paul, passe vers l'avant! D'accord. Philippe Owen fonce tout droit vers les buts d'Inazuma Japon! Sumo écrasement! Tu ne passeras pas! Ah zut, m'en tirer tout dessus. Super les gars, belle défense. Ils peuvent tirer tant qu'ils veulent. Du moment que le ballon n'entre pas dans les cages, il n'y a pas de but. Inazuma Japon a la possession du ballon, mais les Knights of Queen se mettent en formation des chevaliers absolus. Allez, tous vers l'avant. Nathan, Todd, avec moi.
Ouais, ouais. Encore ces trois-là. Ils refont la même chose. C'est inutile. Cette fois, ça ne marchera pas. Ils ont marché. Inazuma Japon a réussi à percer la défense des Chevaliers Absolus. À toi, Austin. Il a compris notre tactique. Edgar. Bravo. Pas si vite. Oh. Kevin, par ici. Tiens. Tu crois que tu vas marquer? Personne ne sait mieux que moi ce que porter ce maillot signifie. Prends ça! Méga Dragon! Vite! Égalisation d'Inazuma Japon! Génial! T'as réussi, Kevin! T'as marqué! Ta super technique est incroyable! T'as marqué notre tout premier but dans ce tournoi! Ouais, mais rassure-toi, ce ne sera pas le dernier. Bravo, Kevin! Excellent travail! Tu ne t'es jamais avoué vaincu dans ce match, et tous tes efforts ont payé au final! Vous avez vu? Kevin a marqué un but! Oui! Quel tir absolument fantastique! C'est bien, Kevin. Je suis fier de toi. Si vous croyez que les Chevaliers Absolus étaient notre seule technique, vous faites une grosse erreur. En avant, chevalier! Libérez toute votre puissance! Oui! Il semblerait que les Knights of Queen effectuent quelques changements au sein de leur équipe. Leur entraîneur, Aaron Adams, réagit immédiatement face à cette égalisation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas cette formation! Oh! Comment ils peuvent laisser les côtés s'y démarquer? C'est comme s'ils avaient décidé d'arrêter de défendre. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien mijoter? Ils veulent passer par le milieu de terrain. À moins que ce soit un autre de leurs pièges. Avec cette formation, ils vont nous obliger à nous concentrer sur le milieu de terrain. Ou alors, ça pourrait être simplement une ruse et ils vont nous attaquer par les côtés. Très intéressant. Par où vont-ils attaquer? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient le ballon vers l'arrière! Il faut monter les défenseurs pour qu'ils se placent sur les côtés! Qu'allez-vous faire maintenant? Mince! Parfait! Non! Incroyable! On dirait qu'ils protègent tous Edgar! Arrêtez-les! Les Knights of Queen passent par le milieu de terrain! Leur formation vient de percer la défense japonaise comme l'aurait fait une lance! En se réunissant au centre, ils ont fait croire à une attaque par les côtés. L'équipe japonaise a foncé dans le piège et ne s'est pas rendu compte qu'elle avait ainsi ouvert une énorme brèche dans sa défense. Regardez! Je vous présente notre super tactique offensive! La lance invincible! Allons-y, tout le monde! Je dois arrêter son tir coûte que coûte! Maintenant, une autre technique! Attaque du paladin! Quoi? Mais oui! Il s'agit de l'autre célèbre super technique d'Edgar Martinus! Point de la colère! Comment il a pu cacher une telle technique tout ce temps?
Accepte la réalité, tu ne peux pas arrêter mes tirs. La victoire nous est pratiquement acquise. L'arbitre siffle la fin de la première période. Les joueurs rentrent au vestiaire sur un dernier but des Knights of Queen par leur capitaine Edgar Partinus. Quel bilan faites-vous de la première période qui vient de se terminer, Levin? Je dois reconnaître que l'équipe d'Inazuma Japon montre un bien meilleur jeu que ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, t'as quelque chose d'écrit dans la main. L'homme aux pneus! Ça n'a pas l'air d'aller comme tu veux. J'ai compris, vous savez. J'ai compris ce que vous m'avez dit l'autre fois. Ah oui. Les meilleurs joueurs du monde participent à ce tournoi et ils sont d'un niveau bien supérieur au nôtre. Ça veut donc dire que les super techniques de grand-père que l'on a utilisées jusqu'à présent ne sont pas suffisantes. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas capable d'arrêter les tirs d'Edgar Partinus. Je dois développer une nouvelle technique. Une technique rien qu'à moi. Une nouvelle technique, tu dis? Bon, tu en as au moins pris conscience, c'est déjà une première étape. Oh. Mais un petit conseil, si tu ne peux pas arrêter un tir, n'essaie pas de l'arrêter. Hein? Ah, au fait, je peux te demander une petite chose? Hein? Tu peux me dire où sont les toilettes? Elles sont par là. Ah, merci beaucoup, au revoir. Si je ne peux pas arrêter un tir, je ne dois pas essayer de l'arrêter. Ohé, Marc! Hein? La réunion stratégique pour la deuxième mi-temps va commencer. Ah, d'accord, j'arrive. On ne doit pas les laisser marquer à nouveau. On doit garder la possession du ballon et ainsi ils ne pourront pas attaquer. Bien, Jude, c'est toi qui seras chargé de distribuer le jeu. C'est compris? Une dernière petite chose. Caleb. Pendant la deuxième mi-temps, Jude et toi donnerez les directives. Nous deux? Si vous vous demandez pourquoi, vous comprendrez une fois sur le terrain. On va devoir faire équipe, mon cher Jude. Hey, Marc, on compte sur toi dans les buts. Oui. La deuxième période de ce match opposant l'équipe d'Inazuma Japon aux Knights of Queen va commencer. Caleb Stonewall, David Samford et Scotty Banyan remplacent Todd Ironside, Thor Stoudberg et Hurley Kane pour l'équipe d'Inazuma Japon. Il va être intéressant de voir si ces changements permettront d'arrêter ou non la lance invincible anglaise. Tu sais ce qu'on a à faire ou bien tu veux que je te le répète? Oui, je sais. On doit à tout prix empêcher Edgar de tirer au but. Tâche de ne pas traîner dans mes pattes. D'accord, Jude? Pareil pour toi. Le coup d'envoi est donné pour cette deuxième période qui s'annonce palpitante. Qu'est-ce qui se passe? Inazuma Japon a laissé un grand trou dans sa défense juste devant le but. On aurait tort de ne pas en profiter. Lance invincible! Et c'est reparti! Revoilà la lance invincible d'Angleterre! Lance invincible! Archer! Dès qu'ils voudront tirer au but, ce sera à toi de jouer. D'accord. Et c'est parti! Oh! Aspire attaque! Quoi? Bravo! Bien joué! La lance invincible a été bloquée par Inazuma Japon. Ils ont attendu le moment où Edgar Partinus allait tirer et où les autres joueurs qui le protègent à l'avant se séparaient pour s'emparer du ballon. Ne les laissez pas récupérer le ballon! Archer! Passe le ballon à droite! Oh. Passe direct, vite! Fais un pas en arrière! Maintenant, passe au centre! Attends deux secondes et passe sur ta droite! Le ballon n'arrête pas de passer d'un côté du terrain à l'autre! Les Knights of Queen sont incapables de réagir! C'est comme si deux énormes typhons se déplaçaient librement sur le terrain. Kevin, Axel, vers l'avant! Inazuma Japon lance une attaque qui surprend son adversaire! Je ne vous laisserai pas réaliser votre plan! Maintenant, à toi, Xavier! Oh! Un mètre plus à droite! Météore géant V2! Ah!
le tir japonais. Inazuma Japon n'a pas réussi à envoyer le ballon au fond des filets adverses, mais il développe un très beau jeu. Fantastique! Les Knights of Queen étaient encerclés, ils ne pouvaient rien faire. C'est une super tactique, mais elle ne peut être réalisée qu'en unissant les talents de meneurs de jeu de Jude et de Caleb. Nous l'appellerons les Typhons Jumeaux! Inazuma Japon. Tout compte fait, on va devoir réviser notre jugement sur leur compte, on dirait. Edgar! Mais il est hors de question que nous perdions. Nous nous emparerons du trophée, et ainsi tous ceux qui ont placé leurs espoirs en nous verront leurs rêves se réaliser. Ouais. Inazuma Japon maintient une cadence effrénée dans ce match, et leurs attaques n'ont rien perdu de leur intensité. Cette fois, c'est la bonne. On réussira à marquer. Austin! Tu n'arriveras pas à passer. Prison de pierre! Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Allez, à moi de jouer! Il semblerait que le joueur ait développé une nouvelle super technique. Inazuma Japon égalise une nouvelle fois dans ce match pour revenir à deux partout. Quel genre de technique c'est ça? Je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, on dirait qu'il l'avait gardé secret tout ce temps. Quand le gardien reçoit ce tir, c'est comme s'il était transpercé par une série d'épées. Nous appellerons donc ce tir le cercle d'épée. Nous approchons bientôt du coup de sifflet final de ce match. À laquelle de ces deux valeureuses équipes, la déesse de la victoire, va-t-elle sourire? La victoire sera à nous et à personne d'autre. Kevin! Bien! C'est ça, vas-y, Kevin! Rugis à nouveau! Méga Dragon! Si Inazuma Japon marque ce but, elle aura pratiquement gagné ce match! Nous ne pouvons pas perdre! C'est l'honneur de la sélection anglaise qui est en jeu! Ah! Excalibur! Ah! Ah! Comment il a fait ça? Edgar Martinus a renvoyé le méga dragon de Kevin Dragonfly avec son Excalibur! Ce tir combine à présent leurs deux attaques. Il est d'une puissance telle qu'il paraît presque impossible à arrêter. Tourbillon vivant! Il arrive. Comment je vais bien pouvoir l'arrêter? Mais un petit conseil. Si tu ne peux pas arrêter un tir, n'essaie pas de l'arrêter. Oh! Bien sûr! Je ne dois pas essayer de l'arrêter! Je dois seulement l'empêcher d'entrer dans le but! Peu importe le tir, du moment que le ballon ne franchit pas la ligne, il n'y a pas de but! Le ballon est sorti du terrain! Non, pardon, je devrais plutôt dire a été dégagé du terrain! La super technique de Mark Evans a sauvé son équipe d'une situation qui semblait désespérée! Il a réussi. Un véritable miracle. Vous avez vu? J'ai réussi! Impossible. Mark a réussi! Il a dégagé le ballon! Oui. C'est toi le meilleur, Mark! Il n'est pas le capitaine pour rien! Comment il a fait pour trouver cette technique en un instant? Elle permet d'arrêter des tirs de type complètement différent. C'est une technique qui vient d'une autre dimension! Oui! Cette technique s'appellera la main dimensionnelle! Jude! Caleb, suis-moi! Ne me donne pas d'ordre, ce n'est pas toi qui commande! Inazuma Japon se lance à l'attaque, alors qu'il ne reste que quelques secondes avant la fin du match! Je ne vous laisserai pas marquer! Parole des Knights of Queen! Prêt, Axel? Prêt! Toi aussi, Austin? Oui! Champ d'énergie! À nous! Oui! Ah!
J'envoie le ballon au fond des filets. Inazuma Japon mène à présent 3-2. Fin du match. Inazuma Japon a réussi à faire tomber la toute puissante équipe des Knights of Queen. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Quel incroyable retournement de situation. Ouais, on a réussi les gars, on a gagné. Le tournoi ne fait que commencer. Mais je vous félicite pour votre première victoire. C'est la première étape d'un long chemin vers la victoire dans ce mondial. Oh. Cet homme, ce ne serait pas...